les jambes écartées, et que désormais vous serez inapte à l'amour. Je crois que quand on est jeune et confronté à cette réalité, et à un moment donné, on a le regard qui change, quoi. Cette pureté, on la perd. Moi, j'étais un gosse et d'un coup, on m'a fait basculer dans un monde d'adultes. C'est aussi simple que ça. Il y a quand même quelque chose qui revient. Putain, il est bien, là. T'as vu cet air triste et glacial? Il est intéressant, non? C'est des gens qui veulent toujours faire des affaires. Des mauvaises affaires quand ils me rencontrent. Après plusieurs séjours en France, en prison, vous décidez de tout quitter, de partir en Hong Kong. Alors c'est là que commence à peu près votre vie d'escroc. Vous avez vraiment escroqué 35 millions d'euros. C'est pas mal pour quelqu'un qui vient de rien, non? Mais c'est quoi la clé de vos escroqueries? La cupidité humaine. Les gens qui ont de l'argent, ils en veulent toujours plus. Moi, j'ai escroqué des cons qui étaient bien plus intelligents et plus riches que moi. Profiter de leur vanité, c'est tout. Oui, mais vous avez aussi escroqué des pauvres gens. J'ai jamais dit que c'était bien ce que j'avais fait. J'ai fait 12 ans de placard, ça vous suffit pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que je regrette? Moi, j'ai payé ma dette à la société, point barre. Aujourd'hui, j'estime que je suis un citoyen français comme les autres. Comme t'as si vu cet air cinglant? La vie continue. Pas de repentance, j'adore. Ouais, t'as raison, il a de la gueule. Bah merci, Vilko Pirane. Y a pas un acteur qui est comme bonne ça, journée. Trouve-le-moi merci. Je le veux.